Alors, on va essayer de faire un rat, le donjon à rat, avec les copains. Avec une équipe de bras cassés. Débarrassez-moi cette plateforme dès que c'est passé! Pas pour moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le donjon. On s'approche de la victoire. Il faut maintenant conquérir le centre de la promenade. C'est parti! Laisse-moi en un chagrin. Ah, mais c'est parce que la zone elle est. Comment ça dit? Il y a des gens par terre. Ça va le ça va claquer à bout de temps. Ce les bonus là si tu veux. Bah alors, c'est pas tous ces gens par terre. Des gens qui font des vidéos de genre qui solo Tara, machin, super, nous on va y aller, mais en mode totalement YOLO avec des builds pétés. On va voir si ça passe. Je perds toujours la cible. Parce que quand je clique droit justement pour bouger la caméra, ça me cible des alliés. Ça peut faire mal. Parce que je crois que tu peux désactiver. Le fait qu'en fait la caméra elle bouge forcément selon comment tu pointes ta souris sur l'écran. Vous partez. Moi je le fais de manière manuelle. C'est pas que c'est vraiment problématique parce que le jeu il t'autofocus sur la bonne cible mais bon. Ah j'ai eu. Non c'est là. T'as eu. Regardez ça, c'est tellement beau. J'ai eu une rare, quelqu'un veut la skin. Non, non. Parce qu'elle est chère sur le comptoir. Alors regarde combien elle vaut sur le comptoir. Hein. Découvrez l'inconnu. Je peux regarder si sur Discord. Il y avait. Bah, de toute façon, s'il recrute, il est pas là. On y va. Ok. Attends, le marteau, je l'envoie. Bah, vérifie parce que je. Si on fait le chemin pour rien. C'est qui voulait Dwayne. Sac bleu de cuir. Ouais. Chemin des oubliés. Ouais. Ouais. Ok.
affronter l'inattaquable. Exploration. On va éviter de prendre des sorts de merde là. Qu'est-ce que je peux prendre? Vas-y, hein, YOLO, hein. DPS, vas-y. Ce n'est pas la première fois que les dragons se réveillent. D'après le tome du Rubicon, les nains auraient combattu les champions du dragon. Nous savons que d'autres races ont elles aussi combattu les dragons en leur temps. Les Mursat, les Jotun, les Oubliés et les Devins. Leurs secrets se trouvent dans cette cité en ruine, érigée par les dieux humains. Nous avons des experts de chaque race, qui cherchent tous ce savoir perdu. Choisissez l'un d'eux, et aidez-nous à découvrir le moyen de lutter contre les derniers dragons ancestraux. Je répète. Tout avec modération. La modération. Nous avons oublié tant de choses. Ah bah ça nous aide vachement. Ok. Il y en a 4 des chemins. Si, je crois, ouais, j'ai le souvenir qu'il y en avait 4. Les Oubliés sont une race antique de serpents. Lors de la dernière venue des dragons ancestraux, les Oubliés firent équipe avec Brill pour protéger les races antiques de l'influence des dragons. Brill était la championne du dragon ancestral Kralkatorik, mais elle a réussi à se libérer de ses chaînes. Nos éclaireurs signalent la présence d'artefacts pouvant être liés aux Oubliés. Ils nous apprendront peut-être comment libérer les créatures de l'influence des dragons. Je sais plus c'est quoi le nom. Ok. Juste. Ouais. C'est en dessous, il me semble. Là, ouais. Faut descendre. Ils sont en vocal ou pas? Ah ouais. Ça passe. Bah ouais, mais il t'entend. Ah ok. Ah, je peux plus claquer. Oui. Si tu leur dis pas. Un bonus de bouffe. Côté à droite maintenant. Je sais plus. Attends, je vais reprendre la boue. Okay. Bah attends, j'en ai sur le Discord. Bonsoir. Je me souviens plus de où c'est exactement, mais. Bon. Au moins on a tapé les petites araignées, je suis contente. Tu vois? Protégez-moi!
Je crois qu'il y a un cadavre qui a explosé en fait. Je me souviens qu'il y avait un truc comme ça. Hey, j'ai eu un D6. Yay. Bah alors, c'est par terre. Enfin, pour la zone. Hein. Je sais pas si je peux prendre mon bâton. Hein, à distance. Je n'ai pas assez d'air. Bien, ouais, ouais, les élites sont mes amis. Ok. En fait, il y a des cadavres par terre qui explosent. C'est pas indiqué, mais il y a des cadavres, il me semble. Ouais, genre là, voilà. Tu vas arriver bien. Voilà. Ah merde. Cibé. Super de combinaison de compétences. Oh putain, le mur. Ah. Attends, tu te relèves ou bien? Je peux pas. Ah là là. Un petit couchage. Mais t'as vu, sérieux? En fait, ouais, tu penses, c'est ça hein? Non, mais je veux dire, c'est toi qui prenais tous les dégâts depuis tout à l'heure. Ok. Ah oui, il est attaquable. Ah! Ah putain, je suis par terre. Illusionniste? Illusionniste? Non? Non? Putain! Moi je me mets au bâton. Mais... Ah shit! Voilà, on se fait vibe. Nos bâtons. Quoi? Bah non, je t'ai pas heal. J'ai dit, je tente comme ça avec ce stuff là. Ça va être trop long hein, si je me mets en support, je pense. Hein. J'étais en train d'essayer de monter sur le raptor. Qui n'existe pas. T'as marché sur un cadavre? Allez, on cible. On aurait dû essayer de prendre les ZAD d'abord. Attends, regarde. On passe à gauche, on prend le chasseur là. Attends, mais attends, il y a ces deux champions. C'est un champion et un légendaire. Ok. En fait, faut éviter son coup de marteau, je crois qu'il va shoot. Je crois. Pas certain. C'est mieux. Ah, ça va mieux. Erreur montant. Attends, le chasseur, il est pas plus, c'est moi. Il est mid-life, il est là. Faut pas les buter en même temps, un truc dans le genre. On faut buter d'abord le broyeur avant. C'était quoi déjà le... Oh, je suis en piège. Protection. Cet artefact appartenait jadis aux oubliés. Le sceau d'or est identique à ceux du désert de cristal. Plus important encore, il n'a pas été souillé par sa longue immersion dans or ou par Zaitan. C'est important. Ça veut dire qu'une forme de protection est possible. Ok.
aller. On fait lequel ? Celui qui soigne d'abord plutôt ? Oh, je sais pas, c'est parti. T'as marché sur un cadavre ! Tu as pris le cadavre plus le. Plus l'attaque. Le temps de vérité est inextinguible. On va faire celui qui soigne d'abord peut-être. Ouais. Peut-être réfléchirez-vous avant de vous lancer la prochaine fois. Ouais, on va tout taper, hein, ça loupe. Ou pas? Ouais. Ah, on est 5. On est full, mais je peux laisser ma place sinon. Je sais plus si y a un chemin derrière, je crois. Ça doit être ça, attends. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Dommage d'abord. T'as encore marché sur un cadavre. C'est gentil, mais je le vois pas. Je vous en fait, ils sont de cuir. Ben, c'est des corps par terre, ils sont pas indiqués par des cibles, quoi, tu vois. Attends, je vais si tu vas me toucher. Voilà, la nuit. Illusionniste, désadapté. Ouais, ou les deux en même temps, c'est bien aussi. Il y a un aigle à la con, hein. Ah putain, moi aussi je me suis pris la zone. Attends. Je crois. Je sais plus si tu peux quand même faire péter les cadavres et avec une esquive. Sans toi mourir, je sais plus. Ben, c'est pas. Une combinaison neuve, c'est plus bien. Le temps ragaillard. On a un gros derrière. Je tire les alphas. Ça fait mal la zone. Cible identifiée. Protection. C'est bien quand tu passes devant parce que je fais péter le cadavre pour nous. Ah, c'est rafraîchissant. Si tu penses que quand tu vas en LFG, les gens ils courent en fait là. Personne qui les fait, c'est mort. Vous avez perdu. On va avoir un stack de journée là. Oui, c'est pas. Ouais, c'est des génies qui nous viennent. Vous êtes avec du random? Non, non, on est parti full kill. Non. Ils augmentent, hein, faut qu'on soit plus de 5 à la prochaine fois, je me fais avoir moi. Ça aurait été un autre donjon, on aurait pu faire 3-3, tu vois. Ah non, celui-là je l'ai tenté cet après-midi, je me suis fait défoncer. C'était avec des gens random. Ouais. Ouais.
Non, non, il est vraiment chaud. Hein. Puis j'imagine que vous tapez pas tous les mobs, vous passez d'un boss à l'autre en courant. Bah, ils ont essayé, mais ils se font défoncer, ça sert à rien. Non, en fait, t'as plein de mobs qui ont des. Alors déjà, t'as les cadavres par terre, tout de suite, ils sont pas ciblables et qui explosent et du coup, qui te one-shot. Qui te mettent genre à 5 ou 10% de vie, je sais pas comment exactement. Ouais, 10%. Ouais. Et t'as des snipers à un certain moment dans le donjon qui infligent des dégâts de ouf sur les cibles qui bougent. Donc si tu cours, ça te one-shot. Ou pas loin. Ouais, les araignées c'est plus fun déjà. Ouais. Vas-y. Moi je veux juste les taguer pour pouvoir looter moi. Je suis rapide comme le vent. D'accord. Ça loot pas ? Bien sûr. Je loot les rouillés. Ah bon ? Moi j'ai que de l'XP hein. Arnaque. Il y en a pas. Là. Pourquoi il y a un végétarien ? Elle est bloquée. Ouais, elle est bloquée dans le. Bon. Ah, attends, il a réussi à la taper en tape. Ah, oh, ouais, boy. Il va la buter tout seul. Pas de surrève, je pense. Même pas. Ah, si. Bon, elle a rien looté. Oh. Là, t'as les mains à la con là, qui est aggro. Le mage d'abord, attends le chasseur il fait quoi? Les mains parce que j'en ai marre d'être seul. Je viens de me dire, je vois pas de quoi tu parles. Je suis trop morte. On est aggro, reculez. Non, non, on y va. Ok, bon, bah, let's go, dommage. C'est quoi le sorcier, chasseur? Ah, la zone! Ok, ouais. Y'a un géant, attention. Faut juste éviter ses coups de pied au géant. What the fuck, mais pourquoi le géant il a pop là? Il se baladait? Non, il se balade. Ah ok, attention à son coup de pied, esquivez. Attends, qui est par terre? C'est bon? Quand il lève le pied, faut esquiver. A partir du moment où tu fais que ça, il fait pas grand chose au géant. Il faut juste esquiver. Je sais pas, moi je tape dans le tas, tu sais bien, je suis pas visé. Je suis parti. Il y a du mentaliste là qui est à ses pieds là, entre ses jambes, attention. Reviens par là si tu veux du sang. Okay. Regardez ça, c'est magnifique. Il est tombé? Oui. Ok. Let's go. J'ai de la puissance à revendre. Ah, c'est rafraîchissant. Vous avez aggro le sorcier? Mais bon. Non, vous l'avez aggro. Avant même que je tape. Non, c'est toi qui as tapé et puis t'as fait. Oh, vous l'avez vu, regarde, tu l'as aggro. Tu les fais pas alors? Cible identifiée. C'est que ah, des fermières. Passé 2 heures. Mais ça va, on les tombe vite, hein. Vite, relativement. Ah, mais la zone est pique, hein. J'ai eu la vie dans ta BC comme ça, petit à petit, plutôt rapidement. Ok. Cible identifiée. Ça va mieux.
Prudence, voici d'autres laquais de Zaytan. Ils ne peuvent pas corrompre les artefacts des oubliés. Ah oui, il était facile, lui. Il fallait juste rester sur la plateforme ou je sais plus. Et franchement, je crois que c'est pas lui le plus... Ah, ça fait mal un peu. Je me porte et moi... Ah, on stack, c'est un peu nos brains. L'avoir fini tellement vite que on pourra relancer un deuxième pour recrue. Oui, oui, regardez ces runes. Les oubliés avaient réussi à annuler le contrôle de Kralkatorik sur Bryl. Bryl a conservé une forme cristalline, mais a retrouvé sa volonté et son identité. Si on recrée ce processus, ça nous permettra de combattre les dragons. Le sort nécessite un endroit près d'ici. Il faut trouver l'endroit adéquat pour reproduire l'expérience. Touche. J'ai les doigts gelés. Bon, Izzy ? Vous vous consumerez ! La suite. Let's go. Pourquoi t'as mis une étoile ? Parce que c'était là où il fallait venir. Okay. Ah, faut descendre, ouais. Je me... attends. Si c'est ça ? Faut descendre ? Je crois. Ouais. Allons-y. Il faut éviter les gueules là. Bon. Si tu racles le sol, ça va, ça passe. Ah. Voilà. Ça ralentit juste un peu. Mais j'ai mis des sorts de merde en haut avec ce build. J'ai pas envie de réfléchir, j'ai mis que des sauts. Les gorilles. Faut les taper, tu crois? Bah ouais, ils sont sur la route. Gorilles. Je connais pas les paroles. Mais oui. Juste aim ou pas? Oui. Yep. Il y a un mini-jeu, je crois, ici. On va activer un truc avec des boules. Des globes de lumière. Voilà, c'est ça. Faut se le passer, c'est ça? Je crois, ouais. Bah, moi je me mets là. Je sais plus exactement ce qu'il faut faire, mais vas-y, à vous l'honneur. Faut le prendre et après faut le lancer. À vous l'honneur. Parce que tu perds la vie, tu le lances avant de tomber. Je suis à tes potes. Faut le lancer avant de tomber. Enfin. il est pas là, ce vocal. Non, il est pas là. Vas-y. Travail d'équipe. Hein. On doit se faire passer. C'est rafraîchissant. Ah, mais moi, je fais ça, hop là. Vas-y, lance. Ah, attends, ça va mieux. Loin. Je suis rapide. Ah, mais elle est là, là. Ah putain, bah je l'ai passé. Alors que j'aurais pu le faire toute seule en fait. Tu l'as fait tomber surtout. Bah non, mais je l'ai posé et il y avait personne. Mais non, faut pas la poser, faut la lancer. J'ai lancé là où il y avait personne. Eh oui, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis un peu bête quoi. Il y a pas besoin de courir, il y a juste à la lancer. Ouais, sur ouais. 5, ça passe. Bah vas-y. Ok. Moi je fais ça, hop là. C'est bon. On a une autre. Ouais, par contre là ça va être un peu plus chaud. Attends, quoi que si je me mets du boost, hop là, qui prend en premier? J'ai de la puissance à revendre. Attends, je regarde. Il va falloir faire du relais là parce que. Je canalise le vent.
Ouais. Merde. C'est à qui je la passe moi? Et n'importe. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop là. Par terre, tu l'as mis. Mais je la passe, mais vous bougez. Mais non, mais faut arrêter de faire n'importe quoi aussi. Mais je te jure, j'ai visé là où vous étiez, puis vous avez bougé le temps que mon perso fasse, enfin, tu vois, court. Enfin non, pas court, mais le lance. Je sais pas quoi. Tu vois? Faut que moi je m'arrête. Tu comprends ce que je veux dire? Putain, tout à l'heure je fais pareil, je fais une connerie. Je suis pris. Je passe à qui? Allez-y. Bah restez devant moi. Hein. Donne-la. C'est bon? Faut pas la lancer dedans, faut la poser. faut interagir. Oh là là. Bon, non mais ça va, on a compris. On a tous compris. J'ai de la puissance à revendre. Mais tout à l'heure j'ai fait pareil, je crois. J'ai fait ah bon c'est là et j'ai fait ah bah je lance et voilà. Bon je commence. Vas-y. Je peux même te mettre un peu de speed. Vas-y prends-la. Tu dis quand tu lances. Là. Ouais mais vous êtes parti. Mais non. Ah t'as lancé trop loin. On était trop loin. Mais ne prends pas alors que t'es pas full life. Hein. Oui, je l'envoie en tas. Non, c'est ouais, moi qui l'ai mis entre les deux. Ah oui, toujours. Ah, ça va mieux. Vous gèlerez jusqu'à la moelle. Bon, je lance. Vas-y. Je sais pas qui l'a pris, mais... Là. C'est bon. Ah, c'est moi qui l'ai. Yeah. Alors tu vois, dès là ce passage là, si tu fais avec des pick-up... Oh, il y a plein de trucs à taper en bas, regarde, il y a plein d'araignées. Ouais, mais c'est à droite, c'est à droite. On revient là après, je te rappelle. Ah ouais, ok. C'est rigolo. Ah oui, parce que t'as des mains là qui... Je sais plus... Faut renvoyer les sorts. Ouais. On peut les buter ou pas ceux-là, je sais plus. Bien sûr, on les bute. Ok. Il y a des yeux là, les tourelles de garde. Orienne en fait. Il faut leur envoyer leur tir. Ouais. Bon, je cible la tourelle. On va éviter de trop avancer. Ce qu'on peut faire, c'est. Il y avait un cadavre. Ouais. En fait, depuis tout à l'heure, tu vois, quand on avance, je me dis est-ce qu'il y a un cadavre devant? On va se faire ouais le chasseur avant. Mais c'est pas possible. Mais attends, vous avez. Mais je les vois pas moi. Faut regarder par terre, en fait ça fait des. T'as de la texture au sol. C'est de la texture. Attends, regarde. Là devant là, tu vois là, tu les vois ou pas? Regarde là où je mets la zone là. Derrière là. Tu les vois ou pas? Les cadavres. Ok. C'est de la texture. Tu fais ceux-là oui parce qu'ils sont en descente, ils dépassent. Là je vois pas. La tourelle elle pique. Bah oui c'est pour ça que je prends le cristal normalement. C'est bon? Là je l'ai pas pris. Mais t'es dans les mains le cristal. Ah bon? Attends, y'a un tas qui est tout devant. Ah y'a les visionnistes qui me tapent. Y'a moyen ouais qu'ils fassent le mob. Bah il a éclaté. Comment ça se fait? C'est à cause des mobs qui vous attaquent, c'est pour ça qu'il éclate. Je sais pas, j'ai Attends, il y a le mage là. Oh là là, mais les zones. Ok. C'est bon, on a cru. T'as le cristal? Quelqu'un a le cristal? Non, mais il n'y avait plus de cristal. Si ça repop non? Non. Ah bon? Ah, c'est pas grave, on va les défoncer. Non les toiles là? Protection! Ouais. Ah, mon cadavre. Ouais, ok. Si moi j'avais un.
Par contre, il y a des. Il y a un champion. C'est un champion, ça. On peut reculer. Ouais. Reculer. C'est toi que j'attends. Putain, il n'est pas sur le chat. Non, mais en tout cas, de toute façon, lui, c'est. Je tape, hein. Je vous suggère de fuir. L'heure est aux températures extrêmes. Les yeux, ils tapent aussi les ennemis, j'ai l'impression. Ouais. Des élémentaires, je crois, ils prennent aussi les cadavres. Je crois. Tout à l'heure, j'en ai vu un côté. Il aura tombé. C'est rafraîchissant. Le seul truc relou, c'est que s'ils prennent les cadavres et que t'es à côté, je pense que tu prends la zone quand même d'explosion du. Ouais. Nickel. Ah mais tes élémentaires, ils ont pas froid aux yeux hein. Bon ben, t'as pris l'aggro. Il en reste deux. Ouais, tu vois là il y avait un cadavre. Ouais, moi j'avais vu le cadavre, mais c'est pas grave. J'allais dire, tu vois. Ok, la porte est ouverte. Je me souviens plus de la strat exacte de Lupicus. Ah, bah là il y avait un cadavre aussi. Strat de Lupicus, c'est on se stack sur la première phase. Et après on court. Et après on court. Tout le monde est prêt. Parce qu'en fait il va envoyer des vers. Tu as une demi-heure là qu'on est là. Ouais. Il va envoyer des vers qu'il faut absolument de pop. Et après, quand il passe en deuxième phase, il fait des zones en fait. Il faut de la stab normalement. Ce corps ressemble à celui d'un Giganticus Lupicus corrompu par le pouvoir de Zaitan. Ils ont disparu bien avant que les premiers Silvari ne chutent de l'arbre. Il m'a l'air bien vivant. Il bouge. Ah oui ? Formidable ! Je sais pas si formidable est un. Est le mot adéquat. Ah oui, ouais, il faut pas mal de DPS là, sur ce passage-là. Voilà, on se met là. On se met tous là sur un tas. Ok. Il faut l'activer. J'y vais. Non, il s'active tout seul. Ah, il s'active là. Ok. On stack tous au même endroit. Ah, on peut dézoomer la caméra pour ceux qui dézooment. Non, on commence. J'ai commencé. Hop là. Et une distance, vous tapez. Ouais. Il faut buter les nuées aussi, mais les vers là qui vont nous balancer, c'est je crois. Ça, faut rester au même endroit. Ouais, parce que en fait, t'as la régène. Ouais, faut pas les virer les vers de terre. Faut les buter avant qu'il les bouffe. Faut les buter avant qu'il lui les bouffe, sinon ça le soigne. Le fait de se mettre au même endroit en fait fait que tu peux facilement tous les taper en même temps. Ouais. Vous abandonnez déjà ? Ah, c'est rafraîchissant. Fureur en temps. Ah mais Ranta il est YOLO, il y va. Si le ver de terre il pop sur Ranta. C'est pour ça que la première phase il faut la faire à distance. Après je pense que il y a des groupes qui ont assez de DPS et que du coup Ouais, les stands, ouais.
Il y a un vert là, il y a un vert. Il y a un vert. C'est bon, il a phase. Bah attends, le vert. Attention, là on bouge. Il faut des stacks. Ok, bah là on court et on évite les zones. Et on l'attaque. Je sais plus, il y avait un truc en rapport avec les surpuissances parce qu'il a bouffé deux verres là. C'est ça. Ouais, ok. Oh là 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 là. Ça va mieux. Ah, je suis par terre. Il y a des cadavres aussi ici, je crois. C'était trop proche à mon. Ah, ils vont pas rester bien longtemps. Je commande au courant. Oh là 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 là. La zone. Ouais. Bon, je pense qu'on va la refaire. Moins crispé. Je sais pas si vous allez. Ok. Venez à mon aide, je vous en prie. Bon, on va la refaire, hein. Voilà. Je sais plus. Je crois que c'est celui-là. Le don des ascendants là, ou c'est celui qui est au-dessus? Je crois que c'est celui qui est au-dessus. Ah merde, c'est celui qui est au-dessus. Ouais. Je vais prendre mon autre stuff. Je vais pas faire de dégâts par contre, mais je vais pouvoir soigner. Voilà. Si vous avez besoin de réparer votre armure, vous pouvez TP au premier TP qui est tout au début. Je crois que t'as une enclume. Je crois que attends, je me suis gouré de chemin, je pense. C'était pas par là. On a pris un autre TP. Tu me diras, il y a des mobs. C'était pas là. Mais il y a des mobs, hein. Bah attends, t'as aggro, vas-y. Que c'est par là, mais qu'il y a une sorte de patrouille de fermiers mort-vivant, mais on appelle avec Marine. Ah. Parce que je peux pas t'aider. Ouais, c'est des blancs, enfin. C'est des simples. Ah si, il y a un élite, mais il va tomber. Lentement, mais sûrement, avec mon DPS de moi. Heureusement que je suis accompagné. C'est bon, non, tu peux t'aider. Ah, on s'est gouré de TP. Ou on n'est pas passé par le. Non, c'est pas par là. Il y a d'autres mobs là-bas, mais c'est pas par là, je pense. Bon, bah si c'est pas par là, on peut prendre l'autre TP qui est en bas. C'est celui qui est en bas. Il faut qu'on refasse la plongée. Bah, je crois, hein. Je crois, ouais. Bon, let's go. Pourquoi je fais ça comme stuff de bulle de dos de solo là, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Hein. Ouais si, c'est par là, il faut courir. Heureusement on a clean la zone, sinon ça aurait été relou. Mais bon. J'ai de la puissance à revendre. Ouais, ça va être la partie relou parce que si à chaque fois on se fait wipe, et ben on est obligé de refaire tout le trajet jusqu'à l'Upicus. T'étais au bon chemin toi du coup Frédéric? T'es devant?
Non, je suis derrière vous. Ah, mais c'est Anta qui trace. Ah non, c'est content. Ah non, c'est parce qu'il est passé en dessous. Je le voyais. Ok. Bon, faut pas tomber là. Il y a un trou là, entre l'escalier. Bah voilà, je suis tombé dans le trou. Trop bien. Nice. Ça veut dire que ça... tu vas taper les araignées sans moi. Non, parce qu'on les a déjà butées ces araignées. Non, mais je reprends le. Je refais le tour. Ok. J'étais en train de regarder. Sort que je pouvais prendre. Ouais. Ce qu'on peut faire, donc faudrait qu'il arrive, sans déclencher l'Upicus, bonsoir. On peut déjà commencer à faire péter les cadavres qu'il y a dans la salle, s'il y en a. Mais je sais plus s'il y en a. Bah non, il y en a pas. Bon, en tout cas, moi j'en vois pas. Ah si, il y en a un là, je crois. Non. Non, c'était pas un cadavre. Il va chasser les escargots. Ok. Bon bah, let's go, moi je le solote. Ah, ok. Normalement, pour ce boss-là, il y avait une strat avec les murs de renvoi. Oui. Oui. Faut être gardien, je crois. Moi, j'ai un truc pour envoyer, mais j'en ai qu'un seul. Moi, j'ai pareil, j'ai un bouclier pour envoyer, mais... Mais faut... Ça en fait... marche pas... Ouais. Ça marche pas comme le vôtre, en fait. Vas-y, link-le, là, dans le... en partie. Ah, c'est... C'est... En fait, c'est le sort du bouclier, c'est... En fait, je me mets en position de défense et je renvoie les projectiles. Le problème, c'est que bon, sinon il y aurait le brise-sort, peut-être la bulle du brise-sort. En fait, je sais qu'il y en a qui le solote, l'Upicus. Et en fait, la technique, c'est de vraiment caler au bon moment, au timing près, ton truc de renvoi. Quand il fait son premier sort d'attaque, en fait, tu le mets en surcharge de pouvoir, c'est-à-dire que tu le laisses bouffer les vers de terre. Quand il a ses 20 stats. C'est 25 stacks, pardon. Au moment du 75%, tu le renvoies, en fait, son attaque de dégâts, il se la reprend et il se fait one shot. Ouais. Mais on n'a pas de gardien, donc on pourra pas pouvoir le faire. Et puis, moi perso, hein, je sais pas jouer, hein, donc voilà. 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 Rafraîchissant. Si vous pouvez, bon, enfin, en fait, vraiment, ce qui fait super mal, c'est ces zones au sol quand il passe en phase 2, parce qu'autant la première phase, elle est facile. Il faut vraiment courir, quoi. Et si vous y arrivez pas, si... enfin, moi perso là, j'ai mis un peu de speed. Tu vois, j'ai mis ça, comme ça, je cours un peu plus vite. S'il y a moyen d'éviter les zones, quoi. Ouais. Ça va être chaud de vous raise. Enfin, le problème c'est que quand tu tombes au sol et que derrière après il relance une zone au sol sur ta gueule, c'est chaud. Enfin, c'est, tu te fais insta quoi, tu meurs. Bon, on essaye, on réessaye. C'est parti, si okay. Tout le monde est là, on y va. Ok. Let's go. Wow. 1, 2, 3. Ça va mieux. J'avais lancé avant, mais oui. Ouais. Je sais pas s'il peut faire popper des vers de terre sur les élémentaires. J'espère pas. Ah pardon. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Protection. C'est rafraîchissant. Ah, ça va mieux.
J'arrive à ébullition. Je suis rapide comme le vent. Ah, une phase. Une phase. Courez, courez. Oui, oui, oui. Ah oui, quand il fait ça, ok, d'accord. Il a lancé un truc, je sais pas ce que c'était. Ça a ricoché. Okay. Il faut se séparer. Ah, c'est rafraîchissant. Immunité à je sais pas quoi, mais... Il a phasé encore ? Ou c'est juste que... Ah, ça va mieux. Cher. Je suis rapide comme le vent. Ouais, attends. Je te soigne. Deux secondes. Du monde au sol. Ah. Vas-y, je te rachète. Vas-y. Faut pas qu'on aille tous au même endroit, sinon ça risque d'être... Ah, c'est rafraîchissant. Ah, je le renvoie de temps en temps. Ah, le problème c'est que je suis pas tout le temps en terre pour anti-sort, c'est chaud pour Désolé un peu d'eau. Non, t'inquiète, je vais mettre de l'eau sur ta... Tu manges le sol. Oh, ouais, mais je pense qu'il y a Dwenin qui va, ouais. Faut pas qu'on se mette tous au même endroit, sinon toutes les zones vont sur... Ah putain, c'est ça que je peux renvoyer. Ah, c'est ça, ça doit être ça, là. J'ai de la puissance à revendre. Tu peux rester dedans, non? Attention, attention à cette zone-là. Ah. C'est cette attaque, c'est cette dernière phase que je peux... Que tu peux renvoyer? Mais c'est pas... C'est un... Non, c'est les trucs verts que tu peux renvoyer. C'est quand il vient vers toi et qu'il fait des... Ah, ok. Ah oui, en plus, il se régène quand il fait ça, je crois. Ça, tu as le... Plus haut. Quand il vient vers toi pour faire ça, ça, tu peux le renvoyer. Faut que j'essaye de lui attirer l'aggro pour le faire. Nice. Je vous suggère. Putain, 15 secondes pour que. L'heure est aux températures extrêmes. Merde. Oh, nice. C'est bon ? Attends, je viens. Ouais, je peux lui. Attention, il va te lancer les attaques. Y'a pas sur moi. Putain, mais. Tiens, patate de forain. Ah, c'est bien, j'ai la dérupte. Ah, je peux pas sortir. Ouais, je peux. Non, mais je t'en pas grave, j'ai une bannière de prêtre pour toi. C'est bon, j'ai survécu. Attention. Merde. Ah. Attends, viens. Tiens, de l'eau. 17 secondes avant. C'est parce que t'es plus près. Il y a du monde. Oui, j'y vais. Oh là là. Ouais, attends, je viens sur toi. Fonce. Tu m'as raté. Ok. Vas-y, tente de me le refaire là. Viens vers moi. Là, je suis prêt. J'ai le bouclier de prêt pour toi. Attention là, il. Ah, ça va mieux. Ah, ouais, parce que j'ai la stab, mais ça veut dire que maintenant pendant 30 secondes, faut que je me casse. Allez, le prochain, faut qu'il me l'envoie là. Ah, mais cette en fait, zone. Tu prends... j'ai plus de bulles. Justin. Attends, je te mets de l'eau. Ça va pas tracer, mais je te mets de l'eau. Ça allait. Ouais. C'est bon, il est stun. Tu vas me dire pourquoi tu prends cher, Owen, mais en fait, c'est parce que tu prends les ricochets, je pense, c'est ça. Ouais, bien joué. Ça, on l'a fait comme un vrai groupe de dorbous. Presque. Non, ça va. On s'est bah non. Pas trop mal. Bah non, mais quand je dis ça, c'est avec les vraies mécaniques. Limite le temps, un peu de tanking, des interrupts, du soin. C'est ça. Regarde, j'ai vu ça.
Vas-y, fais-moi rager. J'ai rien ouvert pour l'instant. Bah, mais non, mais je peux pas. Pourquoi? C'est quoi? Ah, t'as vu? Oh. Okay. Moi j'ai l'amulette. J'ai l'amulette de ses morts. Ah oui, bah. Ok. C'est quoi cette tonique? Elle se vendait pas la tonique? Non, elle valait rien. Ok. Attends, je vais recycler. Voilà. Il y a des mobs. Regardez là, je ça, crois. C'est tellement beau. Normalement, la mission elle est finie là, non? Non, il en reste un après Epicus. Il en reste même un ou deux. Ils explosent, je crois, ceux-là, je sais plus. Est-ce que je reste en soin comme ça? Est-ce que je reste sur mon stuff de tout à l'heure? Tu fais ce que tu veux, tant qu'on meurt pas. Attends que moi je me repose, tu vois, c'est bon. Toi, tu meurs jamais, tu cours, toi, t'es SP fuite. C'est pas vrai. Ouais, c'est des fuites d'eau. Ah bah là, ouais, j'en mets pas mal. Ouais, je me souviens, ça, on le faisait en courant, puis après on crevait au milieu. Bah non, mais faut les faire, hein, faut les taper, les mobs. Ah, parce qu'il y a des mines, non? Non, je sais plus. Je sais plus. J'avais le souvenir que c'était. Attendez-vous. Attendez, ouais. Protection! T'es resté en stuff tank là, Frédéric? Non, oui, pardon. Non, c'était pas une bonne idée. Ah, de quoi qu'il a bump? Ouais. Ah oui, ouais, ça c'est un truc en gros, tu risques de te faire insulter quand t'es rôdeur ou quand t'es n'importe quelle classe qui bump, mais surtout les rôdeurs avec ton arc long en fait. Parce que c'est une technique de stacker les mobs comme ça, c'est plus rapide de les buter comme ils sont groupés comme ça. Mais si tu les. Ouais. Ok. Enfin, moi je m'en fous, mais. Je sais plus où c'est à droite, je crois. Ouais, là. Si vous pouvez patienter, je ressors l'espadon. Vas-y. Ça. Si, ça bump les élites, sauf s'ils ont une barre de défiance. Dans ce cas-là, si tu baisses sa défiance, mais ouais, c'est un peu rageant. Moi, je le faisais souvent aussi parce que en LM, en bâton, t'as aussi un sort qui permet de bumper. Merci. Et je me suis fait insulter aussi plusieurs fois au tout début, même parfois maintenant. Mais pourquoi tu bumps? Le bump, ouais. Vous servez-vous-en vraiment pour les CC, ça, parfait. Oui. Mais avant, au tout début du jeu, il y avait pas ça. Ouais. Il y avait pas ce mécanisme. Défiance. Ouais. Donc ça faisait juste rager les gens. C'était encore plus débile les combats. Tu pouvais bumper les boss. Ouais. Oh ouais, les champions. Hein. Ah, tu pouvais lâcher tes bombes. Dans le mur. C'est bon là, elle est là. Il a pété sa bombe. Wouah! Ouais, la zone. La zone a fait mal. Pire, c'est que t'as, ça prévient à peine. Si, il y avait la zone, il fallait réagir. Ah, non, mais. Enfin, vas-y, genre la fraction de seconde. Ah, par contre, ouais, désolé, j'ai pas pu venir tout de suite en vocal. Ma copine a l'habitude d'appeler au mauvais moment. Ah, non, y a aucun souci. Hein. C'est pas là. Pire, c'est qu'après, ouais. Genre, 30 minutes après, fait. Ah, en fait, je te dérange pas. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour toi que je décroche. Cette créature est parfaite. C'est un poulet. Un poulet mort-vivant. Oui, bien évidemment. Mais il est souillé et assez petit pour être contrôlé. Placez le poulet mort-vivant dans cette cage, personnage, et on le portera jusqu'à l'hôtel décrit dans le sort. Regarde le Sylvari, mais comment elle le juge? Et c'est un poulet? Ah oui, bah, c'est un poulet. J'ai mis le poulet dans la cage. Wouah, le poulet dans la cage. Il y a une boule de neige dans la cage surtout. En plus, je suis encore en tenue de soirée là. Ah voilà, le TP. Bon bah, quand faut y aller. Hein. Baston. Ah, j'ai mis le poulet à l'hôtel. Ah ouais, à l'hôtel?
Ouais, ouais, comme ça, le temps. Sacrifice le... du poulet. Pour le côté. Attention, il y a... y a une patrouille derrière. Je pense qu'on va ouais, la... Bon, on va la taper, okay, c'est okay. Pas grave. Bah ouais, t'as qu'à prendre la... Putain, ça fait tellement plaisir de... Ça fait tellement plaisir de pas éviter tous les mobs. C'est sûr, quand tu pars avec nous, je pense que... Ah non, mais c'est stressant en fait de faire des trucs comme ça parce que les gens ils quittent tous les mobs, donc bien sûr les gens avec qui tu fais ça c'est toi, soit des envoûteurs, soit des gars qui ont les fufus et tout, tu vois. Toi tu cours. Toi t'es guerrier, tu sers à rien. Ouais. Nous aussi on aime bien taper les mobs. Je suis en regarder là, mais est-ce qu'on veut prendre la bouffe? Bon, on le fait le géant, on est d'accord. Let's go hein. Bien sûr, quoi le faire. C'est pas comme s'il était dur hein, à faire. C'est juste. C'est des. Hop là. Hors de portée. J'ai essayé, chef. Et il y en a plein d'autres, hein, des géants. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est comme si des champions ils lootent. Vraiment. Vas-y, chacun un tibia. Ok. Ouais. Voilà, gratuit. Le allez, hop. Allez, prends-toi ça. Si on peut juste et peut-être éviter de les faire en même temps. Ouais. Ça on peut leur envoyer les ondes de choc. Derrière qui fait le tour là, regarde. Ouais bah c'est bon, on va le tomber avant, c'est bon, t'as dit pas, regarde. Même pas mal. Faut esquiver hein. Donne. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut avec ces vers de terre déjà, parce qu'il les balance. Ah ouais voilà, bah y'a c'est Odiwen qui s'est pas. Ah il est tombé. Ok. Quand il tape plusieurs fois aux zones, au sol, les ondes de choc qu'il envoie, tu peux les renvoyer sur lui. Ah, ça. Ah, ça là. Ah, ça ouais. Moi je cours. What's up? What else? Pétage des orteils. Yeah. Attention. Oh là là, c'est beau les réflexes de guerrier là. What? T'as 1% de vie. Là j'étais venu sur son corps pour me dire allez je vais la raise, 1% de vie. Ah merde, celle-là je l'ai pas évité. Putain ma stab elle a tout pris mes dégâts aussi. Voilà. Bon, y'en a pas un autre là. Là il est où le ouais, troisième ouais, dis celui là qui est... qui est à distance. Hein. Genre, il a dit j'ai pas esquivé, j'ai pas pris de dégâts. Bah oui, t'étais à 10 mètres. Bah oui, t'étais planqué. Je crois que c'est pas par là qu'il faut passer, mais vas-y, on se le fait. Ah là, le troisième petit frère. Ah, je sais pas si tu peux lui renvoyer. C'est pas des rochers en plus, c'est des rochers qui lancent. Je sais plus. Ça, certains en fait, ils envoient des vers, ouais. Des rochers de vers, on va dire. Attention, je me stun. Putain, 63 000. Yes. Bon, faut monter. Je sais plus comment, mais faut monter. Y a un pont, non ? Plateforme. Non, mais y a une plateforme là-bas. Ah non. Si, c'est là, suivez-moi. Ouais, ouais, non, t'inquiète, je regardais juste un petit trou. Tuer le gros char. Il n'y a plus de cadavres ici. Et là, c'est le dernier boss. Le ouais, gros char avec une cible rouge. C'est ouais. Ça. Là, faut pas mourir. Faut pas se faire pousser non plus. Il y a un truc avec les piliers, je crois, faut se foutre derrière à un moment. Ah bon? Je sais plus. Je me rappelle même non, pas de cette zone, c'est. C'est bon, je peux y aller? C'est tellement des trucs qu'on a rush, je me rappelle pas. Ah, quelqu'un a pris le poulet? Oui, c'est. Bah, c'est. C'est PNJ qui a le poulet, c'est elle, regarde. Et dans ses bras. Le poulet mort. KFC. Voilà l'hôtel. C'est ici, avant la venue des dieux humains, que Vril s'est libéré des dragons ancestraux. J'espère que nous réussirons à reproduire le sort original. Protégez-moi ainsi que le poulet pendant que j'accomplis le rituel. Ouais, faut juste un protéger. Ah, bon, monsieur. Tu vois, il y a des zones.
Oh là là, mais il vole de la santé au corps à corps à voir lui. Oh putain, mais laisse tomber là. Il fallait le dire avant. Bah je le savais pas, je l'ai senti. C'était chef, je l'ai senti. Parce que moi là je peux plus changer d'arme. Hein. Attends, ah, faut garder la zone, faut garder la zone. Non, les petits ça va, les petits pas changer de quoi. Ça descend. Par contre, il y a le gros là-bas qui est. Sur la zone. Ouais. Ok. Sortir de la zone. Oui. Ils sont quand même dedans. Ouais, il recule. D'accord. Attends, j'ai presque failli trop reculer et m'en trouver en bas. Voilà. C'est bon ? Non, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Faut que quelqu'un aille là où il y a mon cadavre pour prendre la zone. Il y a un spec. Ouais, parce qu'il y a deux specs. Et entre un heal et un tank pour faire du DPS. Bah après, s'ils sont en dehors du cercle comme ça là, tu vois. Mais là, j'ai rechangé mon stuff. Hein. Je suis en spé sol là. D'accord. Vas-y. Bah tank le boss à distance alors. Putain, moi, mais je peux pas être à distance là, je suis à l'épée. Pourquoi il vient vers moi? Non, mais c'est pas grave, le boss il compte pas. T'embêtes pas à me soigner une Gwen. Bah de toute façon là je peux pas te soigner, je suis pas Holy Wen. Ah ok, oh, d'accord. Tu n'es pas le nombril du monde. Bah, j'ai pas entendu, ok. Pardon. Je vais mourir. Ah si si. Arrête, ton bouclier il monte. Que dalle. J'ai pas de DPS. Mais attends, Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Faut qu'on stack, je pense. Faut qu'on les sorte de là et qu'on les stack. Ah, je sais pas, Ça descend, ça descend. Là. Bah ouais, mais je crois. Ah, merde. Ah. L'eau, tu veux? Ouais. Non, mais il n'a pas vu, il n'a pas vu. Ouais, je vous laisse gérer ça, moi je vais aller le Vas-y. Il en faut là-bas. Je reste ici en attendant. Ah voilà, merci. Et Seigneur Spike, du coup alors il faut infliger les dégâts. Mais tu peux pas le damage. D'accord, faut juste le. Là, ils sont tous là, ouais, faut qu'on les mette dans une zone, tu vois. Et vous gardez les deux autres. Ok. Là, vous avez le boss qui va arriver dessus. Parce qu'en fait, je vais aider. Si on en a deux, si on a deux, on monte. Oui. Tu vois là, ils sont sortis de la zone. Nice. Voilà, moi je veux bien qu'ils finissent quand même. Tu vois, le rituel il monte. Parce qu'on est dans la zone. Ça va, j'ai rien d'autre côté. Ça, je vais aller l'aider. Ça a l'air. Attention, il se déporte sur vous. Mais c'est pas grave, il compte pas. Aïe. Il en reste 1 à 10%. C'est rafraîchissant. Comment vous me renvoyez les meubles là? C'est bon, non? C'est bleu ça? Oui, c'est bleu, mais non, je. Ah bleu, bon. Je suis au sol. Je vais mourir. Je suis morte. Non, t'approche pas. Non, mais là je vais mourir. Je vais mais non, mais j'ai la bannière. Tap. Non, j'ai claqué ma forme brumeuse, j'étais à 1%. Ouais, non, mais elle allait mourir. Non, c'était mort. J'ai attendu jusqu'au dernier moment et après j'ai claqué, c'est descendu trop vite. Prenez la zone. Je peux pas la prendre, voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un dedans en fait. Allez, on l'a gagné là. Ouais, voilà, j'ai. Facile. Maintenant le but. Qui Il a pas l'air de vouloir mourir encore. Je suis pas la seule à être morte, c'est ça. Oh, de la lumière partout. Dieu, c'est toi? Je crois que. Voilà, ok. Attends, ça va nous permettre de res. Bah ouais. Si on touche tous les 5, c'est bon. Ça fait l'XP. Bah moi en plus j'ai des aggros là. Ah. Qui s'est pris les petites mains là? Ok. Bah Eston. Ah, ça va mieux. Et
tentacules, faut les tuer. Je sais pas, on va le DPS assez vite, non. Et ils volent beaucoup moins de vie là. Et on vole. Ouais, maintenant c'est les attaques. Tu peux arrêter de me vomir dessus. Ciao. Généralement, l'Upicus, c'est au milieu. En excellent. Fait, admirez tous les chemins, la clarté de son regard. Il n'exprime aucune rage meurtrière. Je vais le baptiser Gigoto. Ogden va être impressionné. Du coup, il s'est passé quoi ? Ressusciter un poulet ou ? Regardez ça, c'est tellement beau. Voilà. Oh, on peut payer en plus. C'est pas beau ça. Faut attendre, je crois, après, t'as une autre récompense. Non, on les a eu. C'est bon, on a tout eu. Trop cool. Hein. Bah, bravo. Hein. C'était bien sympa. Si vous voulez le refaire. Merci pour la sortie. Avec Recru, parce qu'il ne l'a pas. Tu veux non, c'est bon, bien. J'ai fait la côte autrement. Ah d'accord, ok. Bon, j'allais pas vous attendre. Moi j'étais prêt à y retourner, on faisait l'autre chemin. Celui qui te manque, Frédéric ? Bah ouais, si vous voulez. Bah, okay. Bah je peux y retourner si vous voulez, hein, mais... En tout cas, on est trop, hein, non ? Je vais aller pisser, je reviens. Est-ce que je me déplace ? Ouais, je vais te laisser ma place. Non ? Ouais, c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez y retourner ou quoi, je sais pas, c'est parce que si quelqu'un avait des chemins à faire dessus. Oui, Frédéric, il a dit. Moi, je l'ai jamais fait, donc de toute façon. Parce que je t'avoue, je sais plus. Bien joué pour le... la Outland de Menlo. Et la, quatrième la cinquième personne avec vous, c'est qui ? C'est. Bah, tu sais, c'est. Cozy, il va avec. Je sais pas comment ça s'appelle. Onyuen, ils sont ensemble, ils vont par deux. Ils recommencent ou pas ? Bonne question. Est-ce que vous voulez faire un autre chemin ? C'est après moi, vu que Recru prend la place, je peux vous laisser, hein. Je vous laisse faire le truc, moi j'ai ma cotille à faire. Je pense que tu vas finir ta cotille avant qu'on finisse le donjon. Probablement. Certainement. J'ai bien eu le temps de faire la cotille au complète avant que tu finisses le donjon. Ils ont dit qu'ils étaient ok pour refaire. Bah vous êtes à nouveau 5, continuez.